be unhappy again. Across the bridge. More pain, it shines across the river, and you'll never be unhappy again. Oh, praise God, Father, we praise you and we thank you. Père, nous te louons, nous te remercions, Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Well, are you still in a state of shock? Et vous êtes toujours en état de choc après avoir entendu Andrew Bellomont. Quelle bénédiction! Je crois que frère Bellomont devait partir. Il ne pouvait plus supporter. Et j'ai dit à frère Peter, c'est toi qui viens ensuite. Comme les trois frères Bellomont et aussi Eddie et Mario. Nous remercions Dieu pour notre frère Mills ici. Il joue de l'orgue et du piano. Ainsi, nous remercions Dieu pour les talents. Ainsi, nous ne savons pas qui est sujet à chanter. Frère Andrew, tu vas chanter pour moi parce que je t'ai dit que je voulais que tu chantes pour moi. J'apprécie cela. Amen. You gotta sing again now. Et tu vas chanter à nouveau maintenant. Yes, sir. We happen to have Brother Christopher here this morning. Nous sommes heureux d'avoir frère Christopher ici. Et tous les visiteurs. Friends in the gates. Amen. Et tous les amis qui sont dans la porte. Gloire au Seigneur. Let's go straight to the Word of God. Allons directement dans la parole de Dieu. Let's have a word of prayer. Un mot de prière. Notre bien-aimé Père Céleste, Seigneur, que pouvons-nous dire? Combien nous apprécions ces jeunes gens, et frère Andrew Bellomont qui a chanté. Je sais ce que ça signifie pour son père et sa mère. Et alors son père qui vient de perdre son père et sa mère qui vient de perdre aussi son père. Et ces dernières années, ça a été des épreuves pour frère Bellomont et sœur Virginie. Nous prions, Seigneur, que tu descendes avec une onction spéciale sur eux pour les faire traverser ce temps et la famille et console la famille endeuillée. Gloire à Dieu. Et bénis notre frère et sœur Bellomont avec une bénédiction spéciale. Et comme tu les as bénis ce matin, voir son fils, voir leur fils Andrew chanter, je sais que leur coupe déborde. Nous te remercions pour les Bellomont, que les bénédictions ils sont pour l'Église. Nous te prions maintenant que tu touches mon corps et d'achever ce troisième message que tu m'as donné de faire. Et maintenant, je crois qu'ils savent tous ce que c'est. Ainsi, Seigneur, tu as béni les deux premiers. Je m'attends à ce que tu bénisses le troisième maintenant, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu sorte comme elle n'est jamais sortie avant et que la pensée des gens s'ouvre au message. Gloire à Dieu. Et si cette bande sort, qu'elle bénisse ceux qui l'entendront, où qu'elle aille, et les deux autres bandes, gloire à Dieu, que l'entendement s'ouvre, et voir que nous sommes tous frères, nous avons un but commun dans le message, d'élever le message, gloire à Dieu, et ne pas venir les uns contre les autres, mais avec le pardon, laisser tomber tout ce que nous avons sur le cœur, gloire à Dieu, afin que la charité puisse descendre sur nous pour s'étendre et sortir avec puissance. Gloire à Dieu. Et nous savons que tout cela est relié avec le pardon. Seigneur, et nous ne pouvons pas pardonner, toi aussi, tu ne peux pas nous pardonner. C'est ce que ton prophète nous a dit, parce que la foi est basée sur le pardon. Ainsi, c'est complètement impossible d'aller dans l'enlèvement sans pardonner, parce que les sept tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Ainsi, nous te remercions, Seigneur, et maintenant, puisses-tu saisir les gens et ouvrir leur entendement et bénir les frères qui sont le long des murs et au balcon et dans le sous-sol.
de la nurserie et apaise les bébés aussi afin que les mamans puissent entendre. Fais descendre une onction spéciale dans la pièce des enfants et maintenant aide-moi Seigneur, oins mon corps. Donne-moi de la force Seigneur pour donner ce message. Bénis la lecture de la parole et l'écoute. Nous prions et demandons la bénédiction dans le nom de Jésus. Si vous voulez ouvrir votre Bible dans Ésaïe, Ésaïe 21, Apocalypse 2 et 22. Ainsi, gloire au Seigneur. Ésaïe 21, au verset 11. L'oracle touchant Duma, il me crie de Séir, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Oui, il pose la question au sujet de la nuit, premièrement. Et la sentinelle répond. Il explique. Le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous. Revenez. Venez. Amen. Amen. In Revelation 2, Apocalypse 2, verse 26, and he that overcometh and keepeth my works until the end. Celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Et Apocalypse 22, 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. » Je crois que c'est la troisième fois qu'on entend Église. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. En d'autres mots, la sentinelle dit, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez enquérir, enquérez-vous, revenez, venez. Parce que l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, comme titre, le ministère de l'étoile du matin. Et cela achève les réunions de Géorgie en 1974. La gerbe agitée. Le Saint-Esprit m'a parlé, il a dit, quand tu arriveras en 91, les gens ne savent peut-être pas ce que le message. Ainsi, reviens en arrière. Reviens en arrière. Premièrement, amène la moisson de janvier lorsque le fruit est produit. La moisson est arrivée. Je crois que le 6 janvier, le germe semence du corps de Christ, tout ça signifie quelque chose. Et puis reviens en arrière et reprends va chercher ces personnes et dis-leur que la gerbe agitée, ce qui était le message de Malachi 4, a été agité ou révélé sur les gens. C'était un message pour les promesses. Et j'ai prêché les promesses. Je prêche les promesses. Et voilà ce qu'il en est de moi. Je suis un prédicateur de promesses. Et si maintenant vous comprenez, vous ne devez pas être tout comprimé, essayer d'imaginer. Nous avons dû traverser 25 ans de tests sur les promesses. Et j'ai dû prêcher les promesses pendant 25 ans. Alors un jour, vers midi, gloire à Dieu, Elohim est venu sur cette route poussiéreuse. Voyez-vous ce que je dis maintenant? Ainsi, vous devriez tous être libérés, plus essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, c'est Dieu. Et vous voyez son amour croître toujours, alors que nous voyons le golfe et la confusion. Et nous voyons l'amour de Dieu envers nous, pendant toutes ces années. Ça vous donne envie de courir, de faire quelque chose. Ainsi, le ministère de l'étoile du matin est mon sujet, la voix finale, avec la miséricorde finale, pour l'âge final. Et mon inspiration, l'appel à la résurrection. Venez, enquérez, revenez, venez. L'Esprit et l'Épouse disent, viens.
Donc écoutez-le, Spokane, Washington 1962, Malachi 4 brille. Il dit, attendez que la chose correcte se fasse, que les paroles justes soient prononcées, car pour cette grande foi, afin que nous puissions plonger dans les bénédictions de Dieu. Maintenant, j'ai lu cette citation il y a des années. Quelle consolation de découvrir que Pierre a prononcé les bonnes paroles. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Elohim, la chair et le sang ne t'ont pas révélé, mais c'est ton Père dans le ciel. Ainsi que votre Père du ciel, gloire à Dieu, vous révèle quelque chose ce matin. Ce n'est pas la chair et le sang, frère Coleman, mais votre Père du ciel. Que la chose juste soit faite. L'acte d'affection fraternelle. Je suis désolé. Pardonne-moi. Que cela fasse descendre les bénédictions de Dieu, gloire à Dieu. La raison, c'est que le temps est court et que beaucoup ont besoin de signes. Notre famille doit aussi entrer. Vous vous souvenez de l'inspiration que le Seigneur m'a donnée le 24 novembre, avant que la guerre ne commence, ce samedi après-midi. Il a dit, voici, je viens comme un voleur. Et le 25, les avertir entre Apocalypse 16, 12, le sixième et septième fléau, je viens là entre les deux. Ne soyez pas surpris nus et en ayant honte au sujet des vêtements que mon prophète a révélé, gloire à Dieu. La seule façon de continuer, c'est avec l'affection fraternelle et l'amour. Sinon, vous serez nus, votre vêtement souillé et de certains ayez compassion. Gloire à Dieu. Ainsi, quelle est l'heure qui est sur nous, Église? Il m'a dit de revenir en arrière et de ramener ce message des semences 1974, ce qui était la première phase. Souvenez-vous de cela? L'apogée du ministère de 1964, là, en Géorgie, avec ces trois messages. Il a dit, ne dis rien, mais simplement prêche. La dernière fois, il s'est de certains aient compassion. Je pensais que vous saviez ce qu'allait venir ensuite, le ministère des Étoiles du Matin. Ainsi, quelle est l'heure qui est sur nous, Église? Nous venons de traverser 42 jours de tempête du désert. Pouvons-nous dire Amen? Je veux que vous disiez Amen. Dites quelque chose. Ne restez pas là en attendant que je dise la chose suivante. Oui, quand vous dites Amen, je pourrais me saisir du micro et que l'onction me frappe parce que vous êtes loin. Voyez-vous, les gens intellectuels ne comprennent pas cela. Ils ne font qu'entendre, ils continuent d'entendre. Mais quelqu'un qui est en feu, il dit Amen. Alors quelque chose se passe. Mais il y en a qui ne savent pas comment adorer Dieu. Je ne vous dis pas de crier au sujet de tout ce que je dis. Non, mais je vous dis, si ça touche votre cœur, alors ça fait quelque chose pour moi. Faites-moi, vous écoutez les journaux, vous voyez tout ce qui se passe. Je n'ai pas tout expliqué. Et sinon, je pourrais rester là pendant 4 heures. Mais je peux aussi être là pendant 40 minutes et puis être parti, le feu qui tombe, gloire à Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Je vais le répéter. Nous venons de traverser 42 jours de la tempête du désert. Moi, je sens quelque chose maintenant. Mais je suis très fatigué et j'essaie de faire ceci. Et ils ont dit que ce serait avec des éclairs et des tonnerres. Quand ils ont posé la question à Colin Powell, le général, comment est-ce que vous allez faire? Il a dit, nous allons descendre et les tuer. Ainsi, le monde ne savait pas ce qu'il disait. Mais maintenant, vous voyez, il prophétisait de ce qu'ils allaient faire. Nous allons les retrancher et les tuer. Et là, Josué, il dit, retranchez-les, tuez-les. Ainsi, nous voulons retrancher les démons et les tuer. Chaque démon, les retrancher. Amen. Pouvez vous asseoir. Voyez-vous la stratégie? Et le général Schwarzkopf, pouvez-vous imaginer l'appeler un tueur? Là, d'où ils viennent, ses ancêtres? Son arrière-grand-père qui vient de la forêt noire? Et il voulait souhaiter la bienvenue là-bas. Et tous les parents et toutes. Cet homme faisait son travail. Et on ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Voir d'où il venait. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc nous voulons retrancher les démons.
les tuer. La manière dont le général Schwarzkopf l'a fait, il a fait les Irakiens combattre là au Koweït. Et voilà pourquoi ils ont bombardé les rivages. Ils avaient toutes les fortifications là-bas. Mais pendant qu'ils étaient occupés à faire cela, ils sont allés vers l'ouest. Et alors les Screaming Eagles, les parachutes, et les Français et les Anglais sont arrivés là. Et en un jour, tout était terminé. Et voilà comment cela va être maintenant. Un jour, vous direz la chose juste, et la chose juste sera accomplie et ce sera terminé. Et vous allez voir des aigles criants s'occuper de l'ennemi, gloire à Dieu, et occuper le terrain. Alléluia. Amen, pouvez-vous asseoir. Premièrement, c'était le bouclier du désert, puis ils ont changé ça en tempête du désert. Ils ont dit que ça allait être avec des tonnerres et des éclairs. Oh, gloire à Dieu. Et le président Bush a suspendu le combat le 27 février à minuit. Pourquoi est-ce qu'il a pris cela? Est-ce qu'il reste 3 minutes avant minuit? Pourquoi est-ce qu'il a pris minuit? Ou bien est-ce que l'heure de minuit est-elle arrivée? Reste-t-il du temps? Oh, hallelujah! Oh, hallelujah. Amen. You may be seated. Praise God. You know what happened February 28th? Savez-vous ce qui est arrivé le 28 février 1963, sept anges de l'éternité ont visité William Branham sur le mont Sunset et l'ont commissionné de retourner à Jeffersonville et de prêcher les sept sauts du 17 au 24 mars 1963. Et maintenant, nous sommes 28 années plus tard, le 28 février, où les sept anges l'ont visité et sont restés là pendant 28 minutes après le coucher du soleil. C'était le message du coucher du soleil. Oh, gloire à Dieu. Mes amis, savez-vous ce que dit la Bible? Marchez tant qu'il y a de la lumière, car lorsque l'obscurité vient, personne ne peut travailler. Vous ne pouvez pas ajouter la foi, la vertu, etc. dans les ténèbres. Vous devez le faire pendant qu'il y a la lumière. Alléluia. Ainsi, je ne sais pas combien de temps nous avons. Mais le Seigneur m'a dit, premièrement, de vous dire que la gerbe agitée a été agitée au-dessus de vous pour votre acceptation dans le bien-aimé. Et la chose suivante est de certains ayez compassion, pardonnez. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire et je vous l'ai dit. Et la chose suivante, si vous faites cela et que vous avez la victoire sur vous-même, alors il vous donnera l'étoile du matin. Alléluia. Il vous donnera la puissance. Gloire à Dieu. Frère Stolfus, mon Dieu. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons rendu hommage au prophète en ramenant ses bandes. Et maintenant, et si 28 années sont terminées, ou bien est-ce qu'elles sont terminées pour que le message du temps du soir appelle l'épouse alors que le dernier membre entre? Le 28, je ne sais pas. Mais je ne veux pas spéculer. Je vais simplement m'assurer d'être à l'intérieur. Après que les sept anges soient apparus le 28 février 1963 au mont Sunset, la nuit est restée illuminée pendant 28 minutes, et puis c'était la nuit. Mais pendant 28 minutes, nous avons eu 28 années de la lumière du temps du soir. Si vous êtes ici, vous feriez bien de remercier Dieu d'avoir été ici pendant ces 28 ans. Il ne devait pas vous appeler après ce temps-là. Tous les jeunes gens, remerciez Dieu d'être là, d'avoir été inclus. Du 16 janvier, lorsque l'opération s'est changée de bouclier du désert en tempête du désert. À ce moment-là, c'était un choc pour les Russes de voir la technologie américaine. C'était plus un combat comme la Deuxième Guerre mondiale ou du Vietnam, c'était une autre guerre. Ils ont combattu pendant la nuit avec toutes sortes de technologies, et ça, c'est la technologie qu'ils auraient utilisée en Europe. La Russie aurait été
Ils ont vu que les Américains étaient bien en avance sur les autres. Ils ont prouvé que les Américains étaient bien en avance. Quand est-ce que les Américains vont avoir un peu de réveil? Ils vont avoir un réveil d'une image semblable à la bête. Et le président américain va parler comme le dragon. Il a passé ça dans le message. Et sachez où vous en êtes. Ainsi maintenant vous comprenez. Et Dieu va faire que la guerre arrive comme il le veut. 100 heures. Praise God. 96 hours or 4 days. 96 heures ou 4 jours et 4 heures de guerre au sol. Et en tout 42 jours. Et toutes les persécutions, les atrocités contre les citoyens au Koweït. Un signe de ce qui est sur le point d'arriver. Coupé en deux. Démembrer toutes sortes d'atrocités. Le général Schwarzkopf priait que ces gens ne soient pas de la race humaine. Ainsi, que signifient ces 42 jours? Pourquoi la garde républicaine si grande si ont été retranchés au fleuve Euphrate? N'est-ce pas juste? Ils ont été amenés là au fleuve Euphrate afin que vous connaissiez cette révélation qu'elle est juste devant vous. Vous réveillez. Gloire à Dieu, amen. Ils ont été retranchés au fleuve Euphrate et le général a dit que les portes étaient fermées. Et un autre général des Marines retiré. Il a dit qu'ils savaient ce dont il parlait en disant que les portes étaient fermées. Ils ont fait exploser tous les ponts sur le fleuve Tigre et sur l'Euphrate aussi. Donc ils ne pouvaient plus. Et les troupes parachutées se trouvaient à l'ouest et ils n'ont pas pu échapper. Ainsi, vous avez vu ce qui s'est passé dans les journaux. C'est un signe naturel de choses spirituelles sur le point d'arriver. Église, contre l'Église, contre les Juifs, nous ferions mieux de nous réveiller. Pourquoi 42 jours? Est-ce que c'est un signe? La guerre du Golfe? Est-ce que ça veut dire 42 mois? Ou 3 ans et demi? Dans la grande persécution de la bête et de l'image, appelée la période de tribulation, pendant 42 mois, pour le ministère de Moïse et d'Élie, 42 mois. Pourquoi 42? Réveillez-vous! Nous n'avons pas le temps de badiner. La guerre a-t-elle été permise par Dieu pour être un signe pour l'épouse, pour se préparer, sortir, être scellé pour la résurrection et l'enlèvement? Les six anges d'Apocalypse 16, 12 ont-ils déversé leur coupe sur le fleuve Euphrate? Il a été asséché afin que le royaume de l'Est soit préparé. Il les a rassemblés dans un endroit appelé en hébreu Armageddon. Alors où sont-ils? Le monde entier maintenant est en train de se focaliser là, sur Israël et les Arabes. Exactement ce qu'il est dit dans la Bible. Gloire à Dieu. Exactement. Et les gens essayent de comprendre ce qui se passe. Le prophète l'a dit, je le crois, et cela va se passer. Et alors, le Saint-Esprit vous a averti le 25 novembre au sujet de ces choses-là, et puis la guerre a éclaté en janvier, ainsi vous savez. Quand il m'a demandé d'écrire l'article, le Saint-Esprit m'a déjà dit en novembre. Gloire à Dieu. Je n'ai pas eu de bataille d'esprit, qu'est-ce que je devrais écrire? Ce n'est pas nécessaire, je l'ai prêché. Dieu vous avertit. Est-ce que Dieu utilise cette guerre du Golfe? Je vous l'ai dit que ce ne serait pas Armageddon, je vous ai dit cela. Pour faire s'accomplir sa parole, que le monde entier serait focalisé sur le Moyen-Orient, la paix entre les Juifs et les Arabes, et faire s'accomplir Ézéchiel 39, Gog et Magog, et la Russie et tous les autres.
Parce qu'en Israël, il y a l'uranium et les minéraux de la mer Morte qui valent des milliards de dollars. Ismaël est aussi sauvage que possible. La Bible dit que c'était un homme sauvage, Ismaël. Et je ne parle pas contre les Arabes, mais je vous dis simplement ce que dit le prophète. Il pourrait y avoir des Arabes ici, je ne sais pas. Et toutes sortes d'autres aussi. Mais je vous dis simplement ce qu'a dit le prophète. Ismaël, un homme sauvage. Et ils veulent détruire les Juifs, bien sûr. Tempête du désert, l'enfer sur la terre, des tonnerres et des éclairs. Vous pouvez imaginer. Ils étaient heureux de se rendre bombardés chaque jour, bombardés sans cesse. Ça vous faisait exploser la pensée. N'oubliez pas cette septième vision d'Amérique. Elle sera détruite. Il semble qu'elle n'arrivera même pas à Armageddon. Toute l'Amérique, toutes les petites villes, à l'ouest, où tout est bien et joli, fini, des cratères, des débris, tout. Personne n'échappera. La Bible dit, ils demanderont aux montagnes de tomber sur eux pour les cacher de la colère de Dieu. Hallelujah. La grande tempête de soufre et de grêle. Et comment l'épouse peut-elle se détourner de cette tempête afin d'être scellée? C'est la question dans le message. Peu importe ce que vous avez cru dans le message, votre interprétation, pouvez-vous détourner cette tempête parce que cette tempête est là? Souvenez-vous, l'épouse a reçu la promesse de sept tonnerres qu'ils fassent entendre leur voix. Ces sept tonnerres, c'est merveilleux, c'est la seule chose qui peut vous couvrir. Et où le prophète de Dieu l'a-t-il placé, la promesse? Dans le quatrième sceau, à la page 304, il a dit, attendez. Savons qu'il fallait 25 ans, nous ne savons pas, mais il a dit, attendez, que les sept tonnerres fassent entendre leur voix à ce groupe qui peut véritablement prendre la parole de Dieu et la manier. Le groupe qui sait qu'ils sont acceptés dans le bien-aimé. Le groupe qui sait comment pardonner et laisser tomber ce qu'ils ont sur le cœur. Alors ils peuvent manier la parole. C'est ce groupe-là. Sinon, et ils ne peuvent rien faire retentir du tout pour vous. Et la manier là, elle va couper, trancher, ils pourront fermer les cieux, fermer, faire ceci, cela, faire ce qu'ils veulent. La promesse de Malachi 4 pour l'épouse, mais il a aussi promis le jugement pour le monde. Et l'Église est bien que cela puisse tarder. Ça a été parlé, un avertissement du prophète, bien que cela puisse tarder, mais cela va s'accomplir. Et quand ça arrivera, alors ils sauront qu'un prophète s'est tenu au milieu d'eux. Oh, gloire à Dieu, ils sauront. Et lorsque la Californie, Los Angeles va s'enfoncer, ils sauront qu'un prophète s'est tenu au milieu d'eux, gloire à Dieu. Ainsi, même s'il tarde 25 ans, elle s'accomplira. Et cela déjà est là. Combien nous sommes proches, les amis, dans le sixième sceau. Je peux presque voir cet ange se tenir debout, disant, regardez, à la fin du message de ce septième ange. Maintenant, quelle est la dernière partie? La première partie, c'était le cri. Et la partie médiane, c'était la voix. Et puis, la trompette, c'est la dernière partie de son message. Et cet ange qui se tient là, debout, et qui dit, il n'y aura plus de temps. Cette petite épouse loyale va s'envoler dans les bras de Jésus. L'un de ces jours, il a prophétisé, quand il l'emmènera dans la maison du Père. Oh, quelle promesse! Directement, dans le sixième sceau, il donne cette promesse dans le sixième sceau, et les sept tonnerres sont là dans le quatrième sceau. Deux sceaux qui doivent libérer la destruction et la persécution. Il a placé là deux promesses pour l'épouse. Voilà pourquoi je vous dis d'écouter les sceaux, d'écouter les bandes. N'acceptez pas mes paroles, mais prenez la parole du prophète. Gloire à Dieu. Malachi 4 a dit, pensez à ces choses alors que nous continuons maintenant.
Voilà ce qu'il a dit. Pensez-y. Et je dis la même chose ce matin, comme Malachi 4 a dit. Pensez à ces choses alors que nous continuons. Vous faire simplement savoir que l'épouse aura de l'autorité et qu'il y a des gens qui ne croient pas cela. Je ne peux rien faire d'autre, mais je dois dire ce que le prophète a dit. Dire ce que le prophète a dit. Gloire au Seigneur. Dans les étages de l'Église, page 339-340, oh oui, Apocalypse 10:7. Le jour de la voix du septième messager, quand il commencera à retentir, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Voilà. Il envoie un prophète confirmé. Un prophète après presque 2000 ans, il envoie quelqu'un qui est tellement loin de l'instruction du monde, des religions, il n'entendra que Dieu, il aura le « ainsi dit le Seigneur » et il parlera pour Dieu. Ce sera la bouche de Dieu comme il l'a déclaré dans Malachi 4:6, fera retourner le cœur des enfants au Père, il ramènera les élus des derniers jours, et ils entendront un prophète confirmé, donnant la vérité exacte comme avec Paul, il restaurera la vérité comme il l'avait, et ses élus avec lui en ce jour-là, regardez, seront ceux qui manifesteront véritablement le Seigneur et qui seront son corps, et ils seront sa voix. Nous allons être sa voix. Il y a beaucoup de gens dans le message qui ne croient pas à cela. Et c'est ce que je prêche depuis 25 ans. Nous allons être sa voix. Amen. Pas seulement cela, serons sa voix. Et accompliront ses œuvres. Alléluia, dit-il. Le voyez-vous? Et je dis Amen, frère Branham, je le vois. Et je prie pour ceux qui ne le voient pas. Dieu en a suscité d'autres et de même, cela a continué au travers des années, au point où dans ces derniers jours, il y a à nouveau un autre peuple dans le pays qui, sous leur messager, regardez, seront la voix finale dans l'âge final. Quel est mon sujet? La voix finale avec la miséricorde finale dans l'âge final. L'épouse aura cette miséricorde. Cette miséricorde, c'est le sang de Dieu, ce qui est la parole de Dieu, avec rien d'ajouté, rien de retranché. Combien c'est puissant aujourd'hui pour faire tourner cette tempête du désert, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ici un petit peu, là un petit peu, combien nous remercions Dieu de ne pas avoir fait de compromis. Alléluia. Maintenant, nous sommes puissants, gloire à Dieu. La parole de Dieu maintenant est plus tranchante, plus puissante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alléluia. Comprenez-vous ce que je dis aujourd'hui? Le prophète est parti au ciel, mais maintenant, l'épouse, si elle a cette voix, cette parole en elle, alors elle aura l'autorité pour donner la miséricorde. Oh, gloire à Dieu. Dieu en suscitera d'autres, et de même, cela a continué au travers des années, au point où dans les derniers jours, il y a à nouveau un autre pays dans le pays qui, sous leur messager, seront la voix finale dans l'âge final. Oui, monsieur, l'Église n'est plus la bouche de Dieu. Elle est sa propre bouche. Ainsi, Dieu se détourne d'elle. Il va la confondre par le prophète et l'épouse, car la voix de Dieu sera en elle. Quelle est sa voix? Sa parole. Et oui, car il est dit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse 22-17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Encore une fois, le monde entendra Dieu directement, comme à la Pentecôte. Directement, comme Pierre qui a parlé à Ananias et Saphira. Vous avez menti au Saint-Esprit, directement. Oh, Église, réveillez-vous. Entendront Dieu directement, comme à la Pentecôte. Mais bien sûr, cette épouse parole sera répudiée comme dans le premier âge. À la page suivante, oh Dieu, encore une voix pour les gens du monde, tout comme il a donné une voix à l'épouse. Cette voix est dans l'épouse, comme nous avons dit, et nous en parlerons plus davantage plus tard.
Now let's get this last warning in here. Maintenant, voyons ce dernier avertissement. Praise God. The last warning of the Spirit, le dernier avertissement de l'Esprit, la page 364. Celui qui a une oreille entende, autrement dit, enquérez-vous, venez. Ce que l'Esprit dit aux églises, ceci est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône a été préparée. Gloire à Dieu. Les 12 fondements ont été posés. Les rues d'or sont pavées. Les portes de perles sont sur leurs gonds. Et vous allez traverser ces perles, ces portes de perles qui sont là sur leurs gonds. Les gonds en or, gloire à Dieu. L'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment et qui aiment son apparition. Gloire à Dieu, amen. Comme une pyramide, elle se tient là, glorieuse. Les êtres célestes qui l'ont préparée observent car elle resplendit de toute la gloire. Chaque facette de sa beauté raconte l'histoire de la grâce infinie, l'amour de Jésus, son amour. Oh, hallelujah. Elle est préparée pour un peuple préparé. Elle attend seulement ses habitants. Pouvez-vous imaginer, voilà, qu'il y a un palais dans la gloire qui m'attend, moi et Sœur Coleman. J'ai le mien, gloire à Dieu. Ma propre maison, Sœur Coleman et moi. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Brother, that gives me, push me on. Ça me pousse de l'avant. Et bientôt, ils vont marcher dans ces rues remplies de joie. Plus d'esprit qui lie. Ne loue pas le Seigneur. Ne loue pas. Tout le monde va louer le Seigneur. Pouvez-vous imaginer? Plus de formalistes fanatiques. Vous ne pouvez pas dire Amen. Vous ne pouvez pas lever les mains. Nous allons marcher dans les rues pleins de joie en louant le Seigneur. Louange au Seigneur. Alléluia. Quel temps cela sera? Ne le manquez pas, soyez-y, ne le manquez pas. Gloire à Dieu, soyez là. Alléluia. Voilà ce, le chant de frère Andrew. C'est le dernier appel. L'Esprit ne parlera pas dans un autre âge. Les âges sont terminés. Mais merci Seigneur, en ce moment, l'âge n'est pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement par son esprit dans les oreilles. Il y a un prophète où Dieu révèle la vérité, comme avec Paul, au jour du septième messager, comme dans l'âge de l'Odyssée. Dans les jours de l'âge de l'Odyssée, son messager va révéler le message de Dieu, mais il était révélé à Paul, il parlera. Et ceux qui recevront ce prophète en son nom recevront les effets, le bénéfice du ministère de ce prophète, et ceux qui l'entendent seront bénis, et ils feront partie de cette épouse des derniers jours dont il est fait mention dans Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Voyez-vous ce dont je parle? Ce ministère de l'étoile du matin va venir sur l'épouse, le Saint-Esprit. L'épouse, c'est la parole, et l'Esprit va venir sur elle. Alors la voix sera dans l'épouse pour dire, viens, quiconque veut qu'il vienne. Ce sera la voix finale, avec la miséricorde finale, dans l'âge final. Directement alors que là, la tempête du désert fait rage. Et puis ils commenceront à parler de paix, paix. Et quand ils diront paix, tout à coup une destruction soudaine arrivera. Amen. Hallelujah. May be seated. Amen. Amen. Who are mentioned in Revelation 22:17? Quand il est fait mention d'Apocalypse 22:17, l'esprit de l'épouse dit, viens, le grain de blé, le grain de l'épouse qui est tombé en Nicée est revenu dans le grain original à nouveau. Écoutez, le prophète authentifié de Dieu qui apparaît dans le dernier âge, ce qu'il dit de Dieu, l'épouse le dira.
Maintenant, vous comprenez ce que j'ai prêché depuis les 17 dernières années? C'est ce qu'il a dit. Eh bien, l'épouse le dit, gloire à Dieu. Vous le comprenez? Les 7 dans la foi, tout cela? J'ai simplement dit ce qu'il a dit. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi les autres ne disaient pas la même chose. Parce qu'il dit ici ce qu'il a dit, ils le diront. Si, j'ai dit, je le dis. Gloire à Dieu. Ce qu'il dit de Dieu, l'épouse le dira. Vous devez pas seulement le comprendre, mais le dire. Et un jour, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Alors ce sera comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Elohim vous aura révélé cela. Oh, gloire à Dieu. Ne soyez pas découragés. Soyez encouragés. Et ce qu'ils diront, regardez, aura déjà été dit dans la parole. Voilà ma pensée. Ils le disent maintenant. Sortez du milieu d'elle maintenant et soyez séparés. Ça a été mon message depuis le départ du prophète. Ainsi voilà pourquoi personne ne me comprend. Le cri est sorti. Regardez, Malachi 4. Le cri sort. L'épouse. Alors, combien de temps la voix va-t-elle crier? Nous ne savons pas. Mais il y a une chose que nous savons. Ça ne durera pas longtemps, car ceci est le dernier âge. Oh, qui dites-vous que c'est? Gloire à Dieu. Ainsi, l'épouse peut maintenant dire, avec cette promesse de la voix finale dans l'âge final, pour la miséricorde finale, l'épouse, la bouche de Dieu. Encore une fois, le monde entendra Dieu directement quand la Pentecôte, la voix dans l'épouse, appelant à la résurrection. Oh, gloire à Dieu. Avec une courte et puissante démonstration de l'Esprit. Ainsi, je vous ai donné le dernier avertissement de l'Esprit pour l'âge. Ce qu'il dit de Dieu, l'épouse le dira. L'Esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole. Ils le disent maintenant, sortez du milieu d'elle et soyez séparés. Le cri est sorti, Malachi 4. Le cri est en train de sortir. 1991, l'épouse, gloire à Dieu, elle est toujours là. Et elle devient la voix finale pour la miséricorde finale dans l'âge final. Combien de voix? Nous ne savons pas combien de temps, mais nous savons que ça ne durera pas longtemps. Car ceci est le dernier âge. Ô Église, comment l'épouse peut-elle se détourner de cette tempête du désert? Voilà, c'est encore la question. C'est la question. Je crois que sur le billet d'un dollar, la pyramide, Novo Ordo Seclorum. Quelqu'un m'a dit là, dans un article du New York Times, un frère qui savait la chose, il voulait en connaître davantage. Hier soir, il a téléphoné à l'église catholique et a posé la question à un prêtre, Novus Ordo Seclorum, ce que ça signifiait. Ça, c'est quelque chose. Il a téléphoné à un prêtre de l'église catholique pour savoir. Et le prêtre catholique lui a dit, si j'avais eu ces paroles d'un billet d'un dollar, et pourquoi ma curiosité? Et pourquoi je voulais savoir ça? Alors il a dit, c'est le nouvel ordre mondial de Bush, c'est ce que dit ce prêtre. Alors, il m'a dit, si signifiait les autres mots au sommet de la pyramide, Anum Coptis, il a dit, ça veut dire, ce que j'ai commencé, je le terminerai. Ainsi, hallelujah, gloire à Dieu. Merci frère d'avoir eu l'audace de téléphoner à un prêtre catholique. Gloire au Seigneur. Ainsi maintenant, la tempête qui arrive. Le prophète a prêché ici dans 1960 dans la tempête qui arrive. Je pensais vous le lire aujourd'hui, ici à la page 5. Amen. You got the wrong page here. Je pense que j'ai la mauvaise page. Amen. I'll find it. Maybe you open your Bible up to ouvrez votre Bible Saint Mark, 7. Dans Saint Marc 7.
Yes, sir. Well, here it is. Yeah. Page 5. Voici ici la page 5. Matthew chapter 7 verse 24. Matthieu 7, 24. The two foundations. Les deux fondations. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, quiconque entend ces choses, je le comparerai à celui qui construit sa maison sur le roc. Et la pluie est venue et les flots et a frappé cette maison et elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Et tous ceux qui entendent ces choses et qui ne les accomplissent pas sont ressemblables à un homme fou qui construit sa maison sur le sable. Et les pluies sont venues, les flots, et les vents ont soufflé sur la maison. Et grande fut sa chute. Ô Église, où vous tenez-vous? Sur le roc ou sur le sable? Alléluia. Gloire à Dieu. Well, amen. Everybody ready? Okay, I just want you to read that. Je voulais simplement lire ceci à la page 6 ici, paragraphe 41. Frère Branham l'explique. Jésus parlait ici de la tempête qui allait arriver, qui va frapper chaque homme, chaque femme qui est née dans le monde. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Cette tempête va vous frapper un jour ou l'autre. Comment? Des années plus tard, alors que la Bible était écrite, Jésus a-t-il prononcé comment? Comment est-ce qu'ils ont pris la tempête du désert? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit sait comment faire ces choses. Et ici, il a parlé de la tempête et le prophète a prêché sur cette tempête qui allait arriver. Jésus parle de la tempête qui vient, c'est qui doit frapper chaque homme, chaque femme qui est née dans le monde. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Cette tempête va vous frapper un jour ou l'autre. Il dépend de quelle sorte de fondement vous avez. Si votre maison va tenir ou pas. Beaucoup de vies ont été sauvées à cause de préparatifs. Beaucoup de vies ont été perdues parce qu'on a manqué de prendre garde aux avertissements qui venaient. Et il parle ici d'une histoire qui était arrivée en Floride. Beaucoup de tempêtes et de typhons qui avaient frappé le pays. Et à propos, lorsque Los Angeles s'enfoncera, il dirait que Tampa et d'autres endroits seront submergés. Ainsi, frère, ça va envoyer une vague à raz-de-marée jusqu'au lac Salton. Et cette faille de San Andreas va jusqu'au Mexique. Et puis le Golfe, et puis l'océan Atlantique, et elle revient jusqu'en Afrique du Nord, et elle va jusqu'en Égypte, et puis elle va directement là jusqu'au Mont des Oliviers. Oh là là! Jusqu'au Mont des Oliviers, et là où se trouve la mosquée d'Omar. C'est des années, ils ont demandé à un vieux rabbin, qu'est-ce que vous pensez de la mosquée d'Omar? Il a dit, il, un jour avec sa barbe, dit ça pourrait être un tremblement de terre et elle disparaîtrait, la mosquée serait finie. Eh bien, gloire à Dieu. Dieu sait comment faire. Amen. And sweeps out in such storms in some way. Une telle tempête. Ils ont tous ces instruments et l'atmosphère. Pour voir pour prévoir ces tempêtes, ils ont étudié avec certains instruments que la science a pourvus. Ils peuvent donc donner des avertissements pour les tempêtes qui vont arriver. En fonction du vent. Et quelles sont les forces nécessaires pour combattre? Je pourrais prêcher, dit-il, une heure là-dessus, ce qu'il faut. Voici ma pensée. Il faut une tempête plus puissante. Il faut un vent plus élevé pour détourner cette tempête. Maintenant, les vents qui conduisent la chose, il faut un vent plus élevé pour l'arrêter. Et vous savez qu'il y a quatre anges qui se tiennent dans l'Apocalypse 7 qui retiennent les vents de destruction jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Alors qu'en est-il de l'épouse? Elle doit être scellée aussi. Parce qu'ils seront scellés dans les trois ans et demi. Mais nous sommes scellés ici, juste avant. Oh,
Oh, il ne restait pas le temps de jouer, frère. Un vent plus élevé, voilà ma pensée, pour détourner cette tempête. Et nous savons qu'il y a une tempête qui arrive. Et le seul vent que je connaisse qui puisse détourner cette tempête, ce sera le vent impétueux qui est tombé le jour de la Pentecôte. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, frère, je peux à peine rester tranquille. J'entends le bruit d'une abondance de pluie. Gloire à Dieu. Voyez-vous comment ce prophète relie ce grand vent avec la tempête, et je reviens pour relier ce vent avec la tempête du désert, parce que la question c'est comment l'épouse peut-elle se détourner ce vent jusqu'à ce qu'elle soit scellée de la foi à la charité. Oh, gloire à Dieu pour se détourner des fléaux et tout le reste qui ne s'approcheront pas de toi. Gloire à Dieu. Le vent impétueux qui est venu le jour de la Pentecôte. Il y a des gens ici qui parlent contre le communisme. Mais parler, ça ne suffit pas. Nous devons découvrir comment détourner la chose. Et alors, il n'y a qu'une seule chose qui peut détourner cette tempête. Et c'est une tempête plus puissante qui peut changer sa course. Croyez-vous cela? Gloire à Dieu. Encore un petit peu. Je veux lire ceci. Je lisais dans un journal une tempête en Floride et toutes ces régions. Okeechobee. Un avertissement avait été donné. J'étais là il y a 5 semaines, et il y a un homme qui est en contact avec la radio tout le temps à cause de cette tempête, et c'est un chrétien renommé. Il avait entendu parler qu'un typhon allait arriver, un cyclone, et les gens étaient prévenus. Il en a parlé à ses voisins. Voyez-vous l'affection fraternelle. Si vous m'aimez, eh bien, si vous avez de l'amour, vous parlez à vos voisins, et de certains, il y a compassion. Et il avait une ferme de poulets, avec des poulets là-bas. Toute leur vie dépendait de ces poulets. Et il est allé directement, sorti de sa voiture, il a dit au gars, prends tous les poulets et mets-les à l'abri, parce qu'il y a un cyclone qui arrive et qui va tout démolir. Et puis viens dans mon abri. Il y a des tempêtes du désert. Arrêtez tout ce non-sens. Entrez dans la maison de Dieu. Soyez sanctifiés. Gloire à Dieu. Sortez du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites à vos voisins. Ceux que vous aimez. Et cet homme m'a regardé au visage et il riait en disant, c'est un non-sens. J'ai entendu cette prédiction avant et ce n'est jamais arrivé. Et le voisin chrétien était tellement excité, il disait, mais si ça arrive, nous voyons ça, j'ai entendu ce qui va arriver, mais ça va arriver un de ces jours et il nous incombe d'écouter chaque avertissement. Mais cet homme a dit, je n'ai pas le temps pour cette folie. J'élève des poulets et je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Et élever des poulets, il aurait mieux fait d'élever des aigles. Et c'est son voisin. Dans le nom de Dieu, laisse ces poulets tranquilles et viens vite, toi et ta famille. Si tu ne veux pas le croire, que ta famille au moins vienne. Si vous ne croyez pas, laissez votre famille venir à la vérité. Ayez pitié d'eux. Pas vous et puis... mais d'abord, vous en dernier, ça c'est l'ordre. Je ne veux pas que mes enfants soient tout excités à cause d'avertissements de radio. Mes enfants et moi, nous avons décidé de vivre comme nous voulons. Et ma femme m'écoutera parce que c'est moi qui gagne le pain de cette maison. Il a enfoncé le clou. Elle doit m'écouter, c'est moi le patron. Et je ne veux pas que mes enfants soient tout excités à cause de tout ce non-sens. Oh là là.
C'est quelque chose. Hein. Il me semble que j'ai déjà entendu pas mal ça dans le message. Femme, ceci, légalisme. La femme peut avoir le Saint-Esprit si elle suit la conduite du Saint-Esprit. Quelle heure! Gloire à Dieu! Et le voisin est rentré dans sa maison. Il est allé se mettre à l'abri. Et tout à coup, les nuages sont venus sur eux avant qu'ils le sachent. N'importe quel jour. Voici, je viens comme un voleur. Gloire. Avant de le savoir. C'est ainsi que le jugement frappe. Cela vient de manière soudaine. Comment est-ce que c'est venu si rapidement? J'ai vu des hommes cruels qui maudissaient Dieu. Et toute leur fondation était enlevée sous leurs pieds. Vous pouvez rire du message, vous pouvez même le tuer, mais vous ne pouvez pas tuer le message. Parce qu'il est dans l'épouse. La voix finale, la miséricorde finale dans l'âge final. Et ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est sorti et c'est en train de sortir. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas tuer le message. Il va continuer de toute manière. Le message de Dieu est éternel. Ses paroles ne failliront jamais. Il semble que Frère Branham a prêché ça hier. Je vois les cieux ouverts. Paul, c'était Étienne qui voyait le ciel ouvert. Il voyait Jésus à la droite de Dieu. C'est le message qu'il avait. Alors que la tempête est venue, elle s'est emparée de cette ferme au poulet. Et de cet homme, et ils n'ont jamais retrouvé son corps. Et les eaux commencèrent à s'élever du fond du lac. Et voilà ce qui rend la chose si dangereuse. Maintenant, sa femme aurait pu être à l'abri avec son voisin, mais son époux a dit non. C'est moi le boss là. Alors elle a dû souffrir. Et les eaux se levèrent depuis le fond du lac. Et voici comment les vagues arrivèrent. La tempête a tout emporté sur son passage, au point où la mère savait qu'il n'y avait pas d'espoir. Elle a mis ses enfants au sommet de la maison, leur disant de s'accrocher à la cheminée de la maison. Elle aurait pu être à l'abri. Et puis alors, des serpents, mocassins, venaient là pour se réfugier. Ils sont venus sur le toit avec elle, en écoutant à son mari plutôt que de prendre garde à l'avertissement. Elle devait se battre contre les serpents. Elle devait voir les serpents mordre ses enfants au point de mourir. Et finalement, elle aussi est morte sur ce toit. C'est la seule manière. C'est l'histoire qui nous est arrivée. Ils l'ont découverte là, au sommet du toit, morte avec ses enfants. Ça vaut la peine de répondre à l'avertissement. Avant, il doit y avoir un préparatif pour la sécurité. Et c'est inutile d'envoyer un avertissement. Un avertissement, c'est seulement une voix pour vous préparer pour le danger. C'est une voix. Mais il faut qu'il y ait premièrement un préparatif. Alors lorsque les préparatifs sont faits, alors l'avertissement peut sortir pour que vous puissiez vous décider à l'écouter ou pas. Si vous ne voulez pas l'écouter, eh bien ça dépend de vous. Et si vous l'écoutez, alors il y a la sécurité. Alléluia. C'est la méthode de Dieu. Dans les jours primitifs, dans le monde antédiluvien, les gens étaient devenus si méchants
que Dieu ne pouvait plus le regarder et être juste. Ainsi, les amis, beaucoup de vies ont été sauvées parce que des préparatifs avaient été, été faits, mais beaucoup de vies ont aussi été perdues parce que des gens ont manqué de répondre, ont manqué de faire les préparatifs. Ainsi, nous savons maintenant qu'aujourd'hui, il y a une tempête qui s'annonce. Et que la seule chose qui peut détourner cette tempête, ce serait le vent impétueux qui est tombé du jour de la Pentecôte. On remercie Dieu pour cette promesse. Il y a une seule chose qui peut détourner cette tempête du désert, 42 jours, c'est une tempête plus puissante qui peut être placée là pour changer son cours. Ainsi, frère Coleman, comment cela est-il possible? Eh bien, nous savons que c'est arrivé. Ne vous souvenez-vous pas? Qu'est-il arrivé? Petit poisson, je donne ta vie. Qu'est-il arrivé? Parle, il y aura un écureuil. Qu'est-il arrivé? Oh, gloire à Dieu. Sir Hattie Wright, ce n'est rien que la vérité. Je te donne tes deux fils. Qu'est-il arrivé, Église? Est-ce que c'était un vent plus élevé, une voix plus forte, qui pouvait détourner cette tempête? Alléluia, gloire à Dieu. Ne soyez pas nerveux. C'est l'heure pour laquelle vous êtes né. Soyez plein d'audace. Tenez-vous là. Les épaules en arrière, la tête relevée. Gloire à Dieu. Eh bien maintenant, attaquons-nous à la tempête. Au Colorado, il y a une tempête. Le prophète était en train de chasser et un avertissement est venu. Sortez de la montagne, descendez. Et tout le monde s'est précipité, y compris le prophète. Il est descendu dans la colline, mais une voix qui pouvait faire retourner la tempête parle-lui et dit, retourne dans la montagne. Oh, gloire à Dieu. Cette même voix, gloire à Dieu, est ici aujourd'hui. Gloire à Dieu. Remonte, retourne. Tout le monde est en train de courir pour sa vie. La tempête arrivait. Et le prophète est entré dans la tempête. Je veux dire que le même Dieu en lui, qui était en Jésus, quand il a parlé à la tempête en disant, « Tempête, calme-toi. Alléluia. Mon Dieu, n'ayez pas peur. » Et le prophète de Dieu a dit à cette tempête de s'arrêter. Amen. Et tout à coup, elle s'est arrêtée. Les nuées ont disparu. Il a dit que le soleil sorte et resplendisse pendant 4 jours. Le même Dieu est ici. N'ayez pas peur. Alléluia, gloire à Dieu. Avant que la main du médecin touche la tumeur de mon épouse, elle sera partie. Gloire à Dieu. Voilà ce dont je parle. Comme c'était le jour de la Pentecôte. Pouvez vous asseoir. Praise God, amen. Gloire à Dieu, amen. Croyez-vous cela? Ainsi, nous savons maintenant que le prophète a déjà démontré la chose. Malachi 4 a parlé la parole. Soleil sort pendant 4 jours, tout comme le prophète. Et puis, à la station d'essence, le prophète était là. Il dit, oui, tout à coup, ça s'est arrêté. Nous ne savons pas pourquoi. Le prophète a souri simplement. Il n'a pas dit, c'est moi qui ai parlé à la tempête. Mais vous ce que je veux dire? Il a simplement dit, ah oui, très humble. Et Dieu ne peut pas vous donner la puissance à moins que vous ayez le caractère. Vous pourriez dire, c'est moi! Et on va se retrouver là dans Isaïe, Satan qui disait, moi, je. Par la grâce de Dieu, nous le ferons, avec l'aide du Seigneur. Combien nous remercions Dieu pour ses promesses dans le domaine spirituel et naturel. Et prendre garde, la tempête est réelle et prendre garde à l'avertissement. Avant, il doit y avoir un préparatif fait pour la sécurité, sinon c'est inutile d'envoyer. C'est inutile de dire, il va pleuvoir, à moins d'avoir un endroit où les gens puissent entrer. Inutile de dire, venir dans ce message, à moins d'avoir la dynamique pour les conduire à l'enlèvement. Ainsi donc, c'est là. C'est construit dans le message. C'est une promesse, là.
Ainsi donc, avant qu'il y ait un avertissement, il doit y avoir un préparatif fait pour la sécurité. Sinon, c'est inutile d'envoyer un avertissement. Si la préparation est faite alors que l'avertissement sort, pour que vous puissiez, ça dépend de vous de prendre une décision. Si vous ne voulez pas écouter l'avertissement, alors ça dépend de vous. Mais si vous voulez écouter, alors il y a la sécurité. Combien nous remercions Dieu pour sa préparation par le message de Malachi 4. Je veux me dépêcher. Je vais vous lire la préparation ici. Amen. À la page 16, il en parle. L'heure vient, elle est maintenant. Et le scellement est presque terminé. Voilà où chaque homme, chaque femme sur la face de la terre sera dans cet endroit de refuge, comme au jour de Noé, ou bien à l'extérieur. Vous devez prendre votre décision. La sécurité, c'est Jésus-Christ. Et il est le seul endroit où il y a la vie éternelle. Aucun homme ne peut venir au Père si ce n'est par lui. Il est l'arche de notre sécurité. Le Saint-Esprit rend témoignage avec nous maintenant. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et alors il dit à la page 17, nous voyons les journaux, la tempête qui arrive, et nous le voyons. Je suis en train de lire. Quand vous rentrerez à la maison ce soir, faites-moi une faveur. N'allez pas au lit, à moins de lire Apocalypse chapitre 8. Maintenant regardez. Voyez les fléaux qui arrivent, qui vont frapper la terre, les tonnerres et les éclairs qui vont secouer les cieux. Et tout ce qui va passer sur les nations, les gens vont pourrir sur leur chair, le sida et tout le reste. Les maladies vont les frapper. Les médecins n'en savent rien. Mais souvenez-vous, avant que cela n'arrive, un scellement est arrivé. Oh, gloire à Dieu! La voix finale avec la miséricorde finale dans l'âge final. Il y aura un scellement, la dynamique sur votre mécanique. Gloire à Dieu! Nous allons nous en aller! Mais souvenez-vous, n'essayez pas de comprendre le scellement maintenant. Laissez simplement tomber ce que vous avez dans le cœur et pardonnez. Pardonnez. C'est tout ce que vous devez faire. Rien. Rien faire d'autre. Vous ne devez pas gravir l'Empire State Building. Rien d'autre. Vous ne devez pas traverser le fleuve Hudson. Non. Simplement laissez tomber ce que vous avez dans le cœur et dites pardonnez-moi. Pardonnez. Voilà tout, Église. C'est très simple. Amen. Mais souvenez-vous, avant que cela n'arrive, le cavalier allant crier, le scellement, jusqu'à ce que j'ai scellé ceux qui soupirent et gémissent contre les abominations qui se pratiquent dans l'Église. Oh, combien nous remercions Dieu. C'est sorti en 83, et ici et là. Mais cela revient maintenant, parce que tout est juste. La gerbe agitée de certains est compassion. Et puis le ministère de l'étoile du matin. Une plus grande voix, une plus grande onction, un vent plus élevé, comme le jour de la Pentecôte. Un puissant vent impétueux qui a rempli toute la maison. C'est de ce même vent dont je parle. Il est ici, ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Glory. You may be seated. There was a ceiling went forth, un scellement s'est produit et les anges de la mort et les fléaux ont été commissionnés par Dieu de ne pas s'approcher d'aucun de ceux qui ont le sceau sur le front et le sceau de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec croire ce message, c'est simplement la mécanique. Mes frères, vous feriez mieux d'avoir la dynamique, sinon vous n'allez pas sortir d'ici, vous ne pourrez pas détourner la tempête du désert de vous. Amen. Gloire à Dieu. Et le sceau de Dieu est le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption. Peu importe combien l'arche est secouée, combien de fois les éclairs frappent, 10 000 tomberont à votre droite et 1 000 à votre gauche, mais ils ne s'approcheront pas de vous. Le Saint-Esprit. Il y a le quatrième sceau avec le cheval pâle et la mort qui suivait. Les couleurs mélangées commençaient à chevaucher dans le quatrième sceau. Et juste avant cela, sept tonnerres font entendre leur voix à ce groupe. Oh, gloire à Dieu. Et alors, voyez que lorsqu'il s'élève,
la mort et l'enfer le suivent. Ainsi, comment allez-vous échapper? Avec le tonnerre et les éclairs et les feuillots et tout le reste? Oh, hallelujah. Deux mesures d'orge ne t'approche pas, ne touche pas à l'huile et le vin, ne fais pas de mal à ma révélation. Gloire à Dieu. Ils essayent de faire quelque chose contre vous, ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas faire de mal au vin, à la stimulation de la révélation. Il a dit, fais ce que tu veux, mais ne touche pas au vin. Et à l'huile, dans ces âges-là, ne touche pas la révélation. Laisse la révélation. Si tu ne crois pas, eh bien, laisse ça tranquille. Amen. Gloire à Dieu. Oh, je sens le feu. Seigneur Dieu, envoie le feu. Amen. You may be seated. I hear by the Bible. So I'm having me a time because I see all these things coming together. Toutes ces choses s'annoncer. J'entends par la Bible le jugement annoncé par Dieu où les maladies et tout va frapper les nations et ces nations vont être brisées. C'est le prophète là, 1960 qui prophétise pendant son second pôle avant d'arriver à son troisième pôle. Mais avez-vous remarqué? Il a dit, avant d'aller au lit ce soir, lisez Apocalypse 8. Vous le lisez et vous voyez, il ouvre le septième sceau, il y a eu le silence. Alors immédiatement, il entre là dans les trompettes. Est-ce correct? Et cela va jusqu'à Apocalypse 8, 9. Et ensuite, à la fin des trompettes, là, arrive Apocalypse 10, un prophète. Voyez-vous la Bible, comme elle est écrite? Mais juste là, il a pris les sept tonnerres qui étaient collés au dos de la Bible et en sachant, il a dit Apocalypse, lisez Apocalypse 8, et là, dans le premier verset, Malachi 4, a glissé là les tonnerres dans... Et lorsqu'ils ont retenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 directement, avant que les trompettes ne sonnent, oh, parlez-moi de la sagesse de Dieu. Sortir d'ici sans ce message? Alors, le Saint-Esprit, dans le prophète, a placé ses tonnerres du dos du livre directement dans Apocalypse 8, 1, juste avant que Moïse et Élie ne viennent avec les trompettes. Oh, alléluia. Oh, ça suffit pour pouvoir crier. Parce que vous remarquez là directement dans Apocalypse 8, 1, et puis alors 8, 2, jusqu'à 13, tout ça, c'est, il est question des trompettes, pas des tonnerres. Les tonnerres, c'est la révélation de Malachi 4. Personne ne savait où le placer, c'est lui qui l'a placé là. Et nous l'avons cru depuis 25 ans. Et maintenant, oh là là, oh, j'ai terminé de prêcher, gloire à Dieu, mon Dieu. Mais Malachi 4 a révélé sous le septième sceau sept tonnerres qui ont retenti l'un derrière l'autre. Qu'est-ce que c'est? Un scellement, une préparation juste avant que les trompettes soient libérées. Oh là là. Un scellement, une préparation, bien sûr. Premier sceau, page 155. Les sept tonnerres d'Apocalypse puissent-ils montrer à l'épouse comment se préparer? Un message de préparation, gloire à Dieu. Pour préparer pour la grande foi de l'enlèvement. Ainsi maintenant, nous pouvons avertir parce que nous avons un message du prophète. Ainsi nous pouvons être la voix finale. Et où va cette voix finale pour la miséricorde finale? Où l'emmener? Avec des interprétations ou quelque chose, quoi? Non. Dans une révélation, les sept tonnerres qui font entendre leur voix. Oh, gloire à Dieu, amen. Les sept tonnerres donnent la préparation. Ensuite sort l'avertissement dans cet âge final. La voix finale avec la miséricorde finale dans l'âge final, l'appel à la résurrection. Ô Église, il y a une préparation pour échapper à la tempête du désert. 42 mois, 42 jours, 3 ans et demi. Oh bien, nous remercions Dieu pour le messager avec le signe. Oh gloire à Dieu. Avez-vous le signe? Le message?
Ma préparation de Dieu pour ce jour. Le signe, Jeffersonville. Voyons ce que le prophète dit ici. Maintenant, remarquez, il dit, la préparation de Dieu pour ce temps-là, comme nous savons, la Bible dit que toutes ces choses arrivent comme exemple pour nous. Remarquez, Dieu prêt à juger l'Égypte, premièrement, il a fait des préparatifs la première fois, et il n'a jamais changé son ordre. Il fait toujours une préparation. Qu'est-ce qu'il a fait? La première fois, il a envoyé un prophète avec un message. La première chose qu'il a faite pour son peuple, il a envoyé un message, un prophète. Numéro 2, la chose ensuite qu'il fait, c'est d'identifier le prophète. Il envoie la colonne de feu comme identification pour l'identifier. Et nous attendons un vent plus élevé, la colonne de feu, pour identifier l'épouse, avec un avertissement final, dans l'âge final. Amen. Et la troisième chose qu'il envoie, c'est le signe. C'est exactement vrai. Que signifie le signe? Une assurance. Oh là là. Ils avaient le signe. Et devant tous ces fléaux et ceci, cela, avoir le signe, une assurance. Amen. Premièrement, le prophète avec son message, identifié par la colonne de feu. Ensuite, il envoie le signe venir sous le sang et puis accepter cette mort de substitut à votre place. Et puis le sang était un signe. Vous avez entendu le message, vous avez cru la colonne de feu. Vous l'avez accepté, la substitution qu'il a pourvue pour vous. Et vous êtes là sous le sang qui a été donné pour vous. Quelle chose parfaite. Vous qui êtes sous le sang, maintenant, vous êtes sous l'Esprit, sous le Saint-Esprit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Ce vent plus élevé pour détourner la tempête. Vous croyez le message de ce jour, vous croyez la puissance, la colonne de feu, vous croyez cela, et vous le faites maintenant. Maintenant, regardez. Rien que croire, ça ne suffit pas. Marcher là où, voir où c'est. Non, ça ne peut que vous rendre pire qu'à celui qui sait comment faire bien et ne le fait pas. Pour lui, c'est péché. Ainsi, ne faites pas cela, voyez-vous. Ainsi, quelle chose pour aujourd'hui. Mais vous devez appliquer et manifester cela. Croire, ça ne suffit pas, mais vous devez appliquer ou refléter Christ pour les gens. Et puis maintenant, nous avançons d'un pas. Maintenant, nous sommes dans le reflet. Amen. Amen. Page 13. Gloire à Dieu. Maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe, pas le sang. Page 12. Le Saint-Esprit lui-même. Vous suivez ce que je dis maintenant? Le Saint-Esprit, voilà ce dont je parle. Pas le baptême. Mais le baptême du Saint-Esprit a fait un chemin pour le Saint-Esprit lui-même qui doit descendre et amener la perfection, le retour à la parole. Vous avez saisi? Ok. Mais le signe, c'est le Saint-Esprit sur l'Église, où il voit Christ, et c'est Apocalypse 22, 17, l'Esprit sur l'épouse qui dit « Viens ». Et il voit l'Esprit. Il ne sera pas seulement dans la partie intérieure, mais la vérité venant de l'intérieur va être manifestée, montrée en pleine vue. Vous ne pouvez pas simplement dire « Je suis dans le message, c'est la vérité », mais ça doit sortir. Et être vu. Alors, vous saurez que vous avez l'assurance, vous êtes sous le signe. Ils pourront voir l'Esprit même qui était sur le prophète, qui est maintenant sur vous. Et la voix de Dieu sera en vous. Oh, gloire à Dieu, amen. Oh, j'ai envie de m'envoler. Oh, mon pied est levé maintenant, je ne peux plus le poser à terre. J'ai envie de m'envoler. Oh, je ne serai plus long. Ça doit être parce qu'une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. De même, l'épouse et Christ deviennent un maintenant, regardez. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont le même. Voulez-vous dire que Christ va nous donner son ministère? Je vous donne l'étoile du matin. Oh, gloire à Dieu. Et ce que Jésus a commencé à faire, nous continuons. Sa mort ne l'a pas arrêté. Et lorsque Frère Branham est mort, ça n'a pas arrêté le Saint-Esprit. Il est juste ici. Il est parti, mais il est en train de sortir.
Il revient, pas la troisième personne, mais la même personne qui revient à nouveau sous la forme du Saint-Esprit et qui continue à œuvrer. Le livre des Actes, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le signe. Pierre et Jean ont traversé la porte appelée la Belle. Il y avait un homme qui était infirme là. Depuis le sein de sa mère, il a dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Ils lui ont parlé. Ils savaient qu'ils étaient sans instruction. Mais ils pouvaient remarquer qu'ils étaient avec Jésus, voyez-vous. Le signe était là, manifesté. C'est dans la page 13. Ce que j'ai, voyez-vous, il était là, infirme. Il a même dit qu'il était en Christ, il était en eux. À mon nom, ils chasseront les démons, pas à moi, mais vous, si vous dites à cette montagne, pas à moi, mais si vous dites à cette montagne, ô frère, l'heure du signe doit être manifestée, elle est proche. Nous pouvons la voir. Ainsi, c'est tout dans le message. C'est merveilleux, nous sommes dans le message. Mais l'heure est arrivée pour que dans le message, ce soit manifesté ce qui est le signe. Ainsi, nous l'avons appliqué depuis longtemps, et maintenant, il doit être amené en pleine vue. Oui, monsieur. Vous pouvez le voir. Nous sommes près de la fin. Maintenant, toutes sortes de messages, signes, produits. Mais nous arrivons à ce que l'Église doit faire. Le signe doit être manifesté. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Rien d'autre n'agira, ce doit être le sang. Quand je verrai l'Esprit, je passerai au-dessus de vous. Oh, hallelujah, Église. Amen. Now, did you get it? Avez-vous saisi? Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont le même. Et là, voilà ma pensée, le ministère de l'étoile du matin. Finalement, j'y suis arrivé. En cette heure de ténèbres, refléter le soleil qui arrive, la manifestation du signe qui sera le reflet de Christ sur la terre à nouveau. Et la tempête du désert est ici. Est ici maintenant. Et c'est le temps de l'épouse pour refléter Christ. Nous devons être le reflet de Christ dans cette heure de ténèbres. Amen. Ésaïe 70, lève-toi et resplendis car ta lumière est arrivée. Et la gloire du Seigneur sera vue sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et de profondes ténèbres les gens, mais sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. La gloire de Dieu sera sur l'Épouse. Alléluia. Qu'est-ce que ce sera? Un reflet de Jésus-Christ sur la terre. Oh, merci Seigneur, nous avons la promesse d'Apocalypse. Gloire à Dieu. Alléluia. Apocalypse 2. Mon Dieu, merci Jésus. Gloire. All right. Amen. You may be seated. Praise God. Gloire au Seigneur. Apocalypse 2, 28-26. Celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Oh, mon Dieu, il donnera aux vainqueurs, ceux qui auront vaincu la convoitise des yeux, vaincu la convoitise de l'esprit, vaincu l'orgueil de la vie, vaincu les dénominations, vaincu toutes ces choses ici dans le message gloire à Dieu, et qui, sans chanceler, sont forts dans la gloire à Dieu, depuis 25 ans sans chanceler. Alléluia! C'est votre heure. C'est l'heure pour laquelle vous êtes né, gloire à Dieu. C'est l'heure pour laquelle vous avez été élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Au vainqueur, je lui donnerai l'étoile du matin. Je vous asseoir maintenant, je vais essayer d'enfoncer le clou ici. Ésaïe 21. Gloire. Maintenant, le prophète ici avait un fardeau. Quel est le fardeau? C'est quelque chose de lourd, un oracle concernant Babylone et la Syrie, Jérusalem, là, dans Ésaïe, là, ici. C'est lourd parce que la colère de Dieu est là. Et il est très difficile pour le prophète de l'annoncer. Et d'ailleurs, c'était Malachi 4 de dire ces choses. Et qu'en est-il de ce fardeau-là? Courir ici, courir là. Mais Dieu va parler, gloire à Dieu. Alors, vous comprendrez pourquoi l'homme de Dieu doit dire des choses et que les gens se fâchent. Mais vous ne pouvez pas faire autrement, gloire à Dieu, vous devez le dire. Ils ne comprennent pas, gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que vous dites cela? Vous le dites dans un but. Vous avertissez les gens, gloire à Dieu. Alléluia, par révélation. Vous savez qu'il a raison. Et vous pouvez le prouver. Ils ne peuvent pas venir contre cela. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, dites la vérité. Ne dites pas des choses fausses. C'est l'enfer sur la terre. C'est l'enfer ici, gloire à Dieu.
Voulons nous envoler avec les ailes de la colombe, et moi aussi, gloire à Dieu. Mais je dois me tenir là. Alléluia. Je dois vous amener, gloire à Dieu, par le message, par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, si je pouvais m'envoler. Mais je dois rester là, déclarer la vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne veux pas être à New York City, mais c'est ici qu'il m'a mis et c'est là que je me tiens. Amen. Gloire à Dieu. Ce que j'ai commencé, je le terminerai. Le nouvel ordre mondial, nous allons avoir un nouvel ordre mondial. Vous n'avez encore rien vu, frère. Moi, Jean, j'ai vu la sainte cité descendre de Dieu, parée comme une épouse. C'est le nouvel ordre mondial. Alléluia. Il n'y aura pas de médisance, il n'y aura pas de convoitise, plus de rien du tout, gloire à Dieu. Alléluia. Plus de pleurs. Oh, gloire à Dieu. Nous allons nous en aller. Gloire. Ne voulez-vous pas vous en aller? Venez avec moi dans la maison de mon Père. Où il y a la paix, la paix. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nous ne voulons pas rester ici, nous ne sommes pas fous, nous n'aimons pas New York City. Mais Dieu nous a placés ici pour être des témoins. Et je n'abandonnerai pas mon poste, je ne vais pas m'enfuir jusqu'à ce que je m'envole. Alléluia. Gloire. Qu'en est-il de ce fardeau du septième sceau du jugement ici, l'enfer sur la terre, et dans l'ouverture du quatrième et du sixième sceau de jugement, et les ténèbres qui couvrent la terre, et les profondes ténèbres, les gens, et le monde ne sait que faire. Président Bush ne sait rien de ceci. Colin Powell et le général Schwarzkopf, ils ne savent rien de ceci. Ils ne savent pas comment s'en aller d'ici. Mais nous, bien. Eux, pas. Ainsi, le monde ne sait rien. Ils ne savent pas que faire. Et c'est le temps de la nuit pour l'histoire du monde. Le mal, l'enfer, les démons sont libérés de tout, de l'enfer. Il y a un sixième sens. Lorsqu'un berger, une brebis, par un sixième sens, sait qu'il y a un lion qui est quelque part, qui se cache, qui se faufile dans l'herbe. Mais cette brebis peut le sentir par son sixième sens. Eh bien, Dieu a placé un sixième sens dans son épouse, dans ses brebis. Amen. Lorsqu'un lion rugissant vient, rugissant comme le diable, gloire à Dieu, il y a un sixième sens à l'intérieur qui peut saisir la chose. Le mal qui est libéré là, et Armageddon est juste là, à la porte. Oh, gloire à Dieu. Et juste dans cette heure, Dieu a envoyé Malachi 4 avec un message des sept tonnerres pour réveiller l'épouse et lui donner une révélation de la volonté de Dieu pour cette heure. Ainsi, avant, Dieu a fait retentir une alarme pour réveiller le sixième sens de la foi, pour nous avertir par un système d'alarme, pour nous préparer pour cette grande heure par le message du cri. Dans 3 heures de croyants, la page 15, lorsque cette épouse sera appelée à sortir, et placé dans le livre de la vie avec le dernier membre placé dans le livre de la rédemption. Amen. Il a jusqu'à maintenant pris 25 ans. Quand ça arrivera, alors il viendra du ciel. Un bruit qui va amener un tel baptême du Saint-Esprit au point où cette épouse sera enlevée de cette terre dans l'enlèvement. Dieu l'a promis. Peu importe combien cela semble démodé, mais il l'a promis. Oui, monsieur. Gloire. Oh, je me sens tellement merveilleusement bien aujourd'hui. Je sens que cela entre. Je sens que les gens sont en train de le saisir. Dimanche prochain, saisissez-le. Amen.
Maintenant, cette promesse, au travers de cet âge de l'Église, souvenez-vous, c'est toujours pour celui qui vaincra. Christ vient seulement pour la Vierge de sa parole, pour se reproduire à nouveau. Et cette reproduction, ou ce reflet, le ramène sur la terre à nouveau après le départ de Malachi 4 de la scène, 1965. Cela produit le ministère de l'étoile du matin dans l'épouse. Et par notre mécanique, nous sommes épouser à lui. Comprenez-vous, épouser. Voilà ce qu'il en est de ce message. Vous êtes épousé. Comme Ève était épousée, voyez-vous. Mais elle a brisé la parole avant que Adam ne vienne vers elle. Avant que Christ puisse venir vers l'épouse après 25 ans. Dans quel état se trouve l'épouse? Qui est-ce qui prend la parole? Et toutes ces interprétations où ils sont morts, sont-ils morts ou bien vivants, là? Dans l'Église, dans le message. Beaucoup sont partis, mais nous remercions Dieu pour la révélation. Nous sommes restés là, épousés. Ainsi, la dynamique est le compagnon, c'est l'esprit. Haut de ses os, chair de sa chair. Ensuite vient la résurrection. Au vainqueur, je donnerai l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, c'est le ministère de Jésus-Christ rendu à l'Église juste avant la résurrection. L'union avec la dynamique pour refléter Christ sur la terre. Dans l'épouse, vous avez été épousé à Christ et Dieu va amener Jésus au travers de votre sein pour reproduire Jésus-Christ sur la terre à nouveau, un reflet sur la terre. L'union avec la dynamique pour refléter Christ sur la terre dans l'épouse, pour ressusciter les morts et enlever et partir dans l'enlèvement. L'étoile du matin, c'est le ministère du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que dirais-je maintenant? Est-ce que je vais continuer? Ok. Ils l'ont dit, moi j'essaie de terminer, mais ils m'ont dit de continuer. À la page 20, dans le temps de la moisson. Très bien. Frère Branham, voyons dans l'âge de Pergame que Jésus a dit ici, celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Il a dit maintenant, comment pouvait-il avoir l'étoile du matin alors que Jésus a dit lui-même qu'il est l'étoile du matin? Et comment pouvons-nous recevoir l'étoile du matin? Voyez-vous, toutes ces semences d'Abraham sont reflétées par les étoiles. Elles sont différentes les unes des autres et nous différons les uns des autres. Et Jésus est l'étoile du matin, l'épouse dans son entièreté. Et nous voyons dans Apocalypse 1, les sept étoiles dans sa main qu'il interprète cela en disant, ces sept étoiles sont les sept anges et sept âges de l'Église. Ce sont les sept âges qui viennent. Alors il dit, comment se peut-il de recevoir l'étoile du matin? Les étoiles qui étaient dans sa main étaient seulement le reflet des reflets de l'étoile du matin. Voyez-vous, car le message de ce jour, ils avaient la parole. Et il est la parole. Et ils avaient une portion pour leur jour. Et les gens qui sont prêts, maintenant regardez, sortis de systèmes mondains et qui voient, sont avec lui, ils voient le reflet de l'étoile du matin, comme avec Noé, Moïse, etc. Alors qu'il reflétait dans l'Ancien Testament, ils sont arrivés dans un seul, et c'est de même à la fin de l'âge de l'Église, nous allons arriver à Jésus, la parole. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes simplement des reflets de lui. La lune ne fait que refléter le soleil dans son absence. Et le croyant reflète le Fils de Dieu en l'absence du Fils de Dieu. C'est la lumière de la Bible. Les Écritures étant confirmées dans notre vie, la parole est la lumière dans les ténèbres, des chandelles posées sur une colline. Ce n'est pas le soleil, mais simplement une chandelle pour montrer une portion de lumière. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Seul l'esprit avec portion, lui il avait sans mesure. Nous sommes une étoile. Nous tous ensemble, nous formons une lumière pour le monde. Mais lui, il est le soleil complet qui reflète, qui donne la lumière sur chaque étoile. Que Dieu me vienne en aide à mon incrédulité, dit-il. Oh, gloire à Dieu. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Maintenant, comment recevoir l'étoile du matin alors que Jésus lui-même est l'étoile du matin? Eh bien, je réponds à la question. Amen. Avez-vous saisi maintenant? À la page 30 ici. Gloire à Dieu. Page 30. La réponse ici. Au vainqueur.
représentait cette lumière dans sa main, la manne, et seul l'homme qui a parfaitement la victoire, c'est cet homme qui met de côté tout en dehors de la parole. C'est Jésus, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la manne cachée pour le vainqueur qui a été posée là pour chaque sacrificature qui a suivi. La manne cachée, c'est pour les vainqueurs. À la page 39, sa parole de promesse, maintenant souvenez-vous que nous avons une parole de promesse, la dynamique sur votre mécanique, n'est-ce pas juste? Pouvons-nous dire Amen? La dynamique nous est promise, nous ne savons pas quand, mais nous savons que c'est une promesse, parce qu'il l'a dit dans le lever du soleil. Est-ce correct? Cette parole de promesse qui se reflète, il parle ici, je vais le lire. Maintenant, la deuxième Ève, c'est vous, regardez. Elle a été créée à nouveau comme lui au jour de la Pentecôte, remplie de l'Esprit, nourrie par la parole. Maintenant, je deviens religieux, je le sens. Dans le premier âge de l'Église, la première Ève, qui devait être l'épouse de Christ, combien peuvent dire Amen à cela? L'Assemblée dit Amen. Elle devait être l'épouse de Christ, elle est née à la Pentecôte, pas à Nicée, Rome, pas à Londres, en Angleterre, pas aux États-Unis, pas en Allemagne, Luther, pas en Angleterre avec Wesley. Elle est née le jour de la Pentecôte. Vous avez saisi? Voyez-vous ce dont nous parlons maintenant? Le jour de la Pentecôte. Remplie de l'Esprit et nourrie par la parole. Et lorsque l'Esprit tombera à la dynamique, la parole doit vous nourrir, parole sur parole sur parole. Et Christ doit être dans le ministère du quintuple ministère pour nourrir cette épouse, parole sur parole. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, ça doit être, vous ne pouvez pas enlever cela. Remplie de l'Esprit et nourrie par la parole, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, il devait s'emparer de tout, parole pour parole. Un autre arbre épouse, il devait remarquer Pierre et les autres, il n'avait pas été dans un séminaire, dans aucune Bible, école biblique, pas d'instruction, ils ne pouvaient même pas écrire. Et la Bible dit qu'ils étaient sans instruction, mais ils devaient remarquer qu'ils avaient été avec Jésus, car il était là, en eux, reflétant sa promesse. Alléluia, gloire à Dieu. Pendant la tempête du désert, il sera en vous, reflétant sa promesse de la dynamique sur votre mécanique, et il viendra sur vous comme le signe. Oh, quelle promesse! Pas étonnant, gloire à Dieu, alléluia! Voilà ce qu'il nous faut dans cet âge, la parole le reflétant, l'Église vivant par chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, Église, je vous le dis, quelle promesse en cette heure, savoir où nous tenons. Amen. Yes, sir. Well, something here I wanted to read here, 48:339. And when a man and woman, oh, here it is here, page 48. Page 48, lorsqu'un homme et une femme entrent en Dieu complètement maintenant, pas sous une excitation ou une émotion, mais complètement par la parole de Dieu, Jésus-Christ est mort pour moi, gloire à Dieu. Alléluia. Et il m'a sauvé. C'est un fait. Je veux sortir du monde, gloire à Dieu. Ainsi vous entrez en Dieu, pas selon une excitation, mais complètement, pas sous une émotion, mais véritablement lorsque la parole lui devient un, Dieu a sauvé cette personne, a sanctifié les choses du monde, enlevé toutes les choses du monde avec le feu du Saint-Esprit, et qu'il vit dans cette personne, se reflétant, cet homme parfait ou cette femme, vivant par la parole, c'est la terre qui est purifiée et qu'il va utiliser. Et il fait la même chose avec la terre. Il la rachète. Très bien. Alors vous avez un vent plus fort qui peut détourner cette tempête. Dans Isaïe 21 là, comment les gens de Dieu
crie « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?» Sentinelle, c'est le Saint-Esprit. Et la sentinelle, qu'en est-il de ces choses qui se passent dans cette heure, sentinelle ? Messieurs, quelle heure est-il ? La sentinelle répond, qu'en est-il de la nuit ? Qu'est-ce qui se passe ici avec tout ça ? Il s'est démontré la terre. Et la sentinelle contourne la nuit. Le Saint-Esprit parle à son épouse. La nuit est là. Quatrième sceau, sixième sceau. Mais vous êtes sous le septième sceau. Les sept tonnerres, gloire à Dieu. La sentinelle répond, le Saint-Esprit maintenant, dans cette heure-ci, le matin vient pour l'épouse. Oh là là. Un message pour l'épouse. Au milieu de la nuit, le matin vient pour l'épouse. Et aussi la nuit. Mais le matin vient premièrement. Par la parole, vous devriez être consolé. Vous ne devriez pas être nerveux. Par la parole, je vous apporte la parole. Nourri par la parole. La nuit aussi. Eh bien, ça, c'est pour l'homme naturel et les membres d'église. Mais je ne parle pas à cela, dit la sentinelle. Je parle du matin. Ainsi, laissez-moi prêcher du matin. Je ne parle pas de l'enfer sur la terre et des ténèbres, des tremblements de terre et des lagrées et les cauchemars. La nuit aussi. Mais le matin vient. Shalom. Hallelujah. Gloire! Le Saint-Esprit, par Malachie 4, crie, répond, le matin vient. Une promesse pour cette heure. Le Saint-Esprit l'a exposé là. Shalom! Bonjour à l'épouse. Et vous savez, les fermiers à Pennsylvanie et tout, vous vous levez tôt le matin. Un frère Ralph ici. Dans, au point du jour, premièrement, avant que ce soit vraiment le jour, il y a une petite lumière qui s'annonce. Avant que ce soit véritablement le jour, c'est très sombre. Et puis alors le jour arrive. Amen, frère, un autre fermier là. Maintenant, regardez, lorsque le jour arrive, le matin vient, un peu de lumière. Qu'est-ce que c'est ? 1946, premier pôle, deuxième pôle. Avant que ce soit vraiment le jour, un peu de lumière arrive. Dieu envoie un prophète, un ange visible, sachant que le monde est dans les ténèbres. Un peu de lumière, premier et deuxième pôle. Et la nuit aussi, gloire à Dieu. La tribulation et toutes ces choses. Maintenant, pourquoi cela arrive-t-il? La venue du Seigneur est là. 1 Thessaloniciens 4, 16. Le cri, les voix de l'archange et la trompette de Dieu. Maintenant, qu'est-il arrivé juste avant la venue du jour? Lorsque ce temps de ténèbres est là. Alors, le matin, l'étoile du matin sort entre cette petite lumière, premier et deuxième poule. Amen. Et véritablement le point du jour. Et là, entre les deux, c'est très sombre. Et juste avant le point du jour, alors, on ne voit plus la lune. Et puis le pape vient à Jérusalem en 1964 et l'église est complètement obscurcie. C'est tout à fait sombre dans le monde. Et c'est à ce moment-là que cela devient lumineux. Car c'est l'étoile du matin, Malachie 4. Le jour arrive. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Et le Seigneur est descendu en 1963, 64 et 65, alors que le pape était aussi là avec des ténèbres et l'étoile du matin était là aussi resplendissante que jamais. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Le ministère de l'étoile du matin. Et le pape est arrivé là, Jérusalem, vous vous souvenez, tout était obscurci, et alors l'étoile du matin resplendit, elle reflète la lumière du soleil qui arrive, et le soleil arrivera, soleil, la septième trompette, les morts en Christ ressusciteront en ce matin glorieux, alors ce sera le soleil, gloire à Dieu, S-U-N, le soleil et le Fils, vous me suivez? Comprenez-vous?
La science dit que la raison pour laquelle c'est si sombre, c'est parce que la lumière comprime les ténèbres. Voyez-vous, là, le jour arrive, alors ça devient très sombre parce que le jour arrive et que les ténèbres doivent s'enfuir. Est-ce que vous ne vous sentez pas bien quand vous vous réveillez le matin? Parfois, vous avez un cauchemar et vous pensez qu'il y a quelqu'un là ou qui va traverser la fenêtre. Mais dès que le jour arrive, vous n'avez plus de crainte. Vous pouvez aller vous endormir, faire une petite sieste pendant le jour. Mais ceci est le temps du jour. Mais pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Un petit son que vous entendez? Des cris? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une petite souris qui se promène quelque part. Gloire à Dieu. Amen. Comprenez maintenant? Un peu de lumière, premier pôle, deuxième pôle. Et puis alors, c'est véritablement sombre. Et Malachi 4 a déjà prophétisé que Élie allait venir. Il parle. Et le conseil mondial, ils ne sont pas stupides, gloire à Dieu, ils commencent à se rassembler et former le conseil mondial avec Rome et l'image et la bête qui se rassemblent. Et alors, il a ténèbres qui font que tout le monde revient vers Rome. Ce sont les ténèbres. Alléluia. Ainsi, toutes les églises se rassemblent dans les ténèbres totales, le Conseil mondial des églises. Et la parole qui vient force. Ils doivent le faire. Force les églises à se rassembler, une union, un boycott, et voilà ce qui rend la chose sombre. Ainsi, quand il criait, sentinelle, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il dit, le matin vient. Oh, je vous le dis. Comprenez-vous maintenant? C'est la lumière qui vient, c'est ce qui rend, c'est ce qui explique les ténèbres. Au vainqueur, l'étoile du matin. Oh, vaincre quoi? Vous vaincre vous-même. Vaincre la chair. Vaincre l'orgueil. Et tout le monde. Et je vous donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est le ministère de Christ. Ma puissance qui vient, la puissance du soleil et du fils, la résurrection va se refléter. Ma propre présence, mon ministère, dans les ténèbres. Alors que c'est noir comme un sac, les profondes ténèbres. Sur la terre, mais ô Dieu, comme de même, comme il y a eu un cri, de même la voix de l'archange. Qu'est-ce que l'étoile du matin? C'est refléter le soleil qui arrive, c'est un témoin, c'est la voix finale avec la miséricorde finale, gloire à Dieu. Dans l'âge final, il y aura une résurrection, il y aura un enlèvement. C'est une épouse, gloire à Dieu, sur la terre. Peu importe si vos enfants ne le croient pas, gloire à Dieu. Si un tas d'infidèles ne le croient pas, peu importe combien cela semble démodé, mais cela arrivera. Cela a été parlé, et ainsi cela sera. L'omnipotence a parlé, la parole omnipotente, et le miraculeux le fera s'accomplir. Je suis ancré, je me repose là-dessus. C'est le soleil qui lance sa lumière sur l'étoile du matin, reflétant la venue du soleil. Et Malachi 4, le reflet, c'était l'étoile du matin. Le corps le plus brillant dans le ciel, Vénus. L'étoile, la moisson, l'épouse qui a abandonner le monde, pour avertir le monde, un témoignage du Fils, du Soleil qui s'approche, la résurrection qui est proche. Le prophète est parti, mais quelqu'un doit le dire, et le vivre, le produire, le manifester, le refléter. L'étoile sort pour refléter la présence du Soleil, du Fils qui vient. La lune est complètement enténébrée. Reflétez Jésus dans votre voisinage. Reflétez sa venue, la première et la dernière pluie ensemble. Regardez le ministère du Saint-Esprit, Malachi 4, premier et deuxième pôle, troisième pôle. L'esprit qui revient sur l'épouse. Gloire à Dieu. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin pour refléter. Quelle lumière? La lumière du soleil qui approche. Quand cette étoile brille-t-elle? C'est juste là dans 2 Pierre 1.
Je n'ai pas le temps de lire, mais au verset 10, il est dit, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais, car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et Malachi 4 a révélé toutes ces choses, il les a prêchées. Mais aujourd'hui, soyez établis dans la vérité présente. Bien que vous les connaissiez. Et alors, ici, au verset 18, il nous entendîmes cette voix venue du ciel étant avec lui sur la sainte montagne. Ça prendrait encore une heure d'en parler. Et nous avons entendu la parole prophétique rendue plus ferme à laquelle vous faites d'être attentif. Et puis au verset 19, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, la parole de Dieu confirmé par un prophète. Alléluia. La résurrection est confirmée. Le déversement de la dynamique est confirmé. L'enlèvement est confirmé. Le souper des noces. Nous avons une parole prophétique rendue plus ferme parce que sept anges l'ont emmené sur le mont Sunset. Gloire à Dieu. Amen. Oh là là. Plus sûre à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Oh, que l'étoile du matin, l'étoile du jour se lève dans votre cœur à partir d'aujourd'hui. Soyez attentifs maintenant, gloire à Dieu. Juste avant le jour, le soleil qui approche, qui produit cette lumière, le ministère ne pouvait pas venir dans tous ses âges. Proverbe 4, 18, car le sentier des justes est comme une lumière qui resplendit de plus en plus jusqu'au jour. L'étoile du matin, jusqu'à ce que le jour parfait éclate. 1946, 1962, premier, deuxième poule, et les ténèbres enténébrées vraiment profondément. À ce moment-là, Malachi 4 a révélé la lumière du temps du soir, du septième sceau, et cette lumière était ici comme signe de 28 minutes. Qu'est-il arrivé l'autre jour, le 28 février? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Est-ce que la tempête du désert est là? Oh là là, si c'est le cas, alors c'est le temps le plus merveilleux de votre vie. Je ne mens pas. Gloire à Dieu. La lumière du message de 7 sceaux et 7 tonnerres, 2 pierres. C'est à ce moment-là que l'étoile du matin se lève, regardez, et vient pour être dans votre cœur. Oh là là. S'élève pour révéler la lumière dans laquelle marcher et continuer à avoir la victoire pendant 25 ans jusqu'à ce que je vous donne l'étoile du matin, le ministère, pour refléter le soleil, le Fils de Dieu. Qui arrive, la résurrection. Nous y sommes, Église. C'est à cette heure, entre les ténèbres qui se rassemblent et le jour qui vient, que l'étoile du matin sort deux fois pour resplendir, selon 1 Thessaloniciens 4, 16, le cri et la voix de Dieu donnant un avertissement au monde avec un message, le jugement qui arrive, il donne le signe. Numéro 2, c'est la voix de l'archange. Se pourrait-il que la voix de l'archange pourrait-elle être dans l'épouse avec la voix finale, la miséricorde finale dans l'âge final, un témoignage que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le cri est sorti de Malachi 4, musicien. Le cri est en train de sortir par l'épouse Oméga, qui aura le ministère de l'étoile du matin. Je m'envolerai. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Amen. Alléluia. Ce sont les messages. L'ingère d'agité, ne l'oubliez pas. Et de certains, ayez compassion. Et le ministère de l'étoile du matin. Comprenez-vous? Êtes-vous prêts? Oh là là! Oh, I fly away, oh glory, I fly away. When I die, hallelujah, by and by, I fly away. Oh, I
life is old, I'll fly away, oh, to a home on God's celestial shore. Oh, I'll fly away. Oh, one morning I'll fly away. Oh, glory, I'll fly away. Oh, and when I die, hallelujah, oh, yeah, I'll fly away. Oh, just a few more weary days. What can we say? What a day. What a message. What an hour that we're living in. Oh, hallelujah. Friends, there is no doubt in my heart. We have heard from God today. God spoke to us from the throne. Amen. And we've heard his word. Amen. And we know that it's the ministry of the morning star. That's the bride's ministry. That's the ministry of Jesus Christ. Amen. And I just love the way Brother Coleman laid it out. He said it's the token displayed. Amen. Not just applied, but displayed. Amen. It's the final voice with final mercy to the final age. What voice? The voice of the archangel. And that's going to be upon the bride. Because it will be the spirit and the bride saying, come. Amen. And Brother Coleman said in his comments that Revelation 22:17 is the character of Christ that comes upon the bride after she displays brotherly kindness. Amen. So the morning star is given to the overcomer. How do you overcome? Brotherly kindness.
What will it be, the bride's final test before possessing the enemy's gates? And how do you possess the enemy's gates? By the ministry of the Morning Star. Do you love him today? Are you excited? Are you encouraged? Are you on fire? Amen. Let's just sing one more song before we close out. Rise, shine, give God the glory. Key of F. Oh, rise, shine, and give God the glory. Oh, rise, shine, give God the glory. Oh, let's rise, shine, give God the glory. Oh, we're soldiers of the cross. Oh, come on and rise and shine. Give God the glory. Rise, shine. Brother and sister, tell them rise, shine, give God the glory. Rise, shine, give God the glory. Let us rise, shine, give God the glory. Soldiers of the cross, come on and rise and shine. Come on and rise, shine, give God the glory, let us rise, shine, give God the glory, let us rise, shine, give God the glory, we are soldiers of the cross. Oh, let's give him a shout of praise, let's give him a hand of praise. Hallelujah, hallelujah.